J'espère que vous allez bien, je suis méga heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans le unboxing du fameux calendrier de l'Avent Stylevana. Vous savez que j'adore Stylevana, je vous en parle régulièrement dans mes hauls unboxing puisque je reçois quelques fois dans le mois, dans l'année des petits colis avec des produits que j'ai choisis sur le site Stylevana. C'est un site coréen si vous ne le connaissez pas. J'ai un code promo pour vous de moins 10% je crois sur tout le site qui est valable toute l'année, tout le temps et... J'ai un code promo aussi pour le fameux calendrier de l'Avent Stylevana que j'ai hâte de vous ouvrir. L'année dernière je vous l'ai ouvert et je l'ai trouvé génial parce qu'il y avait beaucoup de soins mais il y avait aussi du make-up, il y avait vraiment un mix des deux et j'avais adoré. D'ailleurs il n'y avait que des full size donc c'était juste dingue. Il était emballé dans cette espèce de petite protection en carton, donc je l'ai enlevé et on tombe sur cette petite merveille dans les tons roses, dorés, juste trop beau. Il est méga lourd et comme l'année dernière ça s'ouvre là comme ça avec des petites portes et à chaque fois il y a des cases à l'intérieur et honnêtement il est juste magnifique. Je vous mets le prix juste ici et je vous mets aussi le prix de la valeur des produits à l'intérieur ici. Comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne mais vous en avez pour votre argent, ça c'est sûr, c'est clair. Il y a des belles offres et alors il est super bon je trouve, il y a des... case rose gold, je sais pas si vous les verrez, la numéro 1 et la numéro 24 qui sont rose gold, c'est super bien protégé à l'intérieur. L'année dernière je me souviens qu'il y avait du papier de soie et tout pour protéger, pour pas que ça se balade dans tous les sens. Je le trouve très très beau, honnêtement je suis trop contente de le recevoir, donc encore merci à la marque Stylevana qui me l'envoie gratuitement. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai juste le bonheur de pouvoir vous l'ouvrir avec vous en vidéo. Je vais pas faire beaucoup de calendriers de l'Avent cette année, je ne pense pas même ouvrir d'autres calendriers de l'Avent, on ne sait jamais, peut-être celui de The Body Shop parce que je pense me l'acheter là dans les prochains jours, mais sinon je vais pas faire de unboxing particulier. Je sais qu'il y en a plein sur plein d'autres chaînes, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma copine Ella Rayon de Soleil qui fait pas mal d'ouvertures aussi de calendriers de l'Avent, mais maintenant ça se fait de plus en plus sur YouTube et du coup je vois pas l'intérêt. Mais celle-ci, voilà, j'ai envie de le faire avec vous, c'est mon petit kiff. Et là, je vous avoue que je l'ai reçu fin août. Oui, oui, mais on est quand même le 30 septembre, on est le 1er octobre, je crois, enfin, on est dans début octobre. Et du coup, vous voyez, j'ai quand même attendu, donc il était là dans ma pièce YouTube. Il attendait gentiment et maintenant, j'en peux plus, hein, maintenant que l'automne est arrivé, vous avez vu, je suis dans un mood automnal. Eh bien, je sens que Noël arrive aussi et je suis trop contente de pouvoir l'ouvrir. Allez, trêve de blabla. Restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo puisque cette année malheureusement je ne peux pas vous faire gagner comme l'année dernière le calendrier de l'Avent entièrement, mais j'ai une petite surprise pour vous, alors restez connectés jusqu'au bout de cette vidéo. Ah, j'ai réussi à bien le placer, je suis contente. Ouh là là, la case numéro 1, et vous voyez la largeur des cases quoi, elles sont juste énormes, il n'y a pas de surfait d'emballage, là c'est très bien, de surplus d'emballage plutôt. Et on a un produit de la marque Santella, c'est le Blue Serum à l'acide hyaluronique et un effet cicatrisant à l'intérieur. Ça je suis contente, c'est des soins que j'aime beaucoup utiliser, je les intègre tout doucement dans mes routines, mais là un sérum hydratant qui fait un effet un peu peau... smoothing, un peu peau lissée, j'aime beaucoup. C'est une marque que j'ai déjà eue dans le calendrier de l'Avent ou dans les produits que je reçois de la part de Stylevana. C'est vraiment top 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 et c'est là, je pense que c'est la marque Skin 1004. Alors c'est ça le problème avec Stylevana, c'est que des fois je suis un peu nulle dans les marques et tout ça parce que bah c'est pas des marques qu'on connaît habituellement, mais ce sont des très bons produits. Sachez que sur le site Stylevana et les produits coréens sont extrêmement bien réputés pour la peau, pas forcément ultra cher avec des produits hyper clean, donc bah ça il sera glissé dans ma routine sans problème. Le numéro 2 est une grande case en haut mais qui m'a l'air légère. Ouh, il y a plusieurs petits produits à l'intérieur, trop cool, des petits produits à tester. Ils ont mis du bubule à l'intérieur pour protéger, pour que ça ne bouge pas. Et on a deux produits de la marque Froudia. Alors sachez que Froudia, c'est une marque que j'aime beaucoup comme ça. Et bah c'est des hydratants pour le visage, non? C'est quoi? Blueberry Hydrating Cream et Blueberry Hydrating Intensive Cream. Donc c'est des crèmes hydratantes qui sont... qui se périment dans longtemps, donc ça c'est trop cool, au moins on a le temps d'utiliser. Il y en a une qui hydrate et l'autre qui hydrate vraiment plus en profondeur avec un côté intensif pour l'hiver, donc c'est très bien. Deux produits de la même marque en version miniature, mais il y en a quand même deux, donc c'est cool pour lancer, pour tester, pour se faire une idée. Moi j'ai déjà une routine Froudia qui est juste à côté là-bas et qui attend d'être utilisée, et j'ai trop hâte de l'utiliser d'ailleurs, mais j'attends de terminer ma routine. Alors, le problème avec mon visage c'est qu'il y a plein de produits
que j'aimerais utiliser, mais que bah je termine pas en 5 minutes quoi. Donc mon visage, je l'hydrate que 2 fois par jour hein, quand même. Et, mais c'est une marque que j'aime énormément pour leur crème pour les mains, pour leur soin du visage au niveau des sprays fixateurs. Pas des sprays fixateurs, des sprays hydratants, j'aime beaucoup. Donc je suis très contente. Le numéro 3, c'est tout léger aussi. Ouh. Alors des fois il y a des grosses cases, hein. Vous voyez, elle est grosse, mais pas pour grand chose. Mais comme vous voyez, c'est super bien protégé. Du papier bulle en dessous pour éviter que ça bouge. Donc très bien. Et là on a un produit tint, donc c'est une sorte de rouge à lèvres teinte les lèvres, je pense. La couleur, si c'est celle du packaging, elle a l'air magnifique. Donc c'est la marque Etude. Alors est-ce que c'est la marque Etude à vous? Je ne sais pas. C'est la teinte 05 Midnight Mauve. Et c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup, hein. Ouais, c'est ça là. C'est les petits trucs teintants. Alors je vais mettre ça sur mon bras parce que si ça teinte vraiment, je pourrais le cacher après. Et c'est vraiment une belle couleur, un peu rose mauve automnale. Ça, je vais adorer. J'aurais pu mettre ça aujourd'hui d'ailleurs. C'est vraiment le genre de couleur que j'aurais pu porter sans problème. J'aime beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup. Le numéro 4, une grande boîte orange. Et là, c'est un grand produit à l'intérieur qui a l'air d'être un masque pour la nuit au propolis et au miel. Donc, Overnight Mite. Masque, pardon. Et alors, c'est de la marque... Alors, je sais pas comment prononcer. COSRX. COSRX. Donc, je ne connais pas. Alors, et donc ça se présente comme ça, un petit masque pour la nuit que vous laissez, je pense, poser la nuit, et comme ça vous avez la peau repulpée toute la au matin. Donc ça, pourquoi pas, ça c'est un très bon produit. Alors j'espère qu'on va pas avoir de trop de produits qui se ressemblent à l'intérieur, mais ça m'a l'air pour l'instant ça va, hein. Il y a pas de doublons, il y a pas trop de produits visage. Donc je suis plutôt contente là, pour l'instant c'est trop cool. Le 5 est une énorme case. Et vous avez vu, c'est bien protégé, encore une fois, c'est bien. Il y a du papier bulle, mais il n'y a rien dedans, hein. C'est juste pour protéger, pour caler. Et alors, on a un produit Melt and Remove. Ah, mais non, c'est dingue ça. C'est un produit en sorte de mousse, on dirait, que vous laissez poser 15 minutes, par exemple, sur votre nez. Une sorte de mousse, et au bout de 15 minutes, vous pouvez enlever tous les points noirs. Donc, Melt and Remove. Donc c'est pour vraiment nettoyer les pores, et waouh, ça a l'air efficace à base de, il y a de la, du poivre à l'intérieur. Ah oui, et ils ont même mis, non mais regardez, ils ont même mis les cotons-tiges en fait, avec de l'autre côté du coton-tige, je sais pas si vous verrez, de l'autre côté du coton-tige, une sorte de petit trou là, et vous pouvez du coup frotter et enlever vraiment les points noirs. Ça m'intrigue ce truc là, vraiment ça m'intrigue, j'ai bien envie de vous faire un crash test dans mes petits vlogs. Quand je testerai, je vous en parlerai. Mais ça m'intrigue grave. Et alors la marque Tia... Hein, je ne sais pas. Honnêtement là, je ne sais pas. Je vous montre de près. À l'intérieur, c'est un pot noir. Et je pense que c'est une sorte de mousse à mettre à l'endroit où vous voulez enlever vos points noirs. Donc là, en l'occurrence, le nez. L'avantage dans ce calendrier de l'avant, c'est que vous allez pouvoir découvrir plein de produits que vous n'avez vraiment pas l'habitude d'avoir sur le marché. Et c'est des produits que vous ne retrouverez pas non plus dans d'autres calendriers de l'avant. Donc ça, c'est vraiment sympa. Dans la case numéro 6, on a un produit de la marque Peslow. Et ça, c'est une marque que je vous avais fait gagner avec Stylvana. Il y a eu 5 gagnantes. Donc Stylvana, vraiment, ils sont généreux dans les concours. Il y avait eu 5 gagnantes et ils avaient envoyé toute une routine de cette marque-là, donc Peslow. Et là, c'est... Alors, 90 secondes, des ampoules pour les mains. Donc, qu'est-ce que c'est? Attendez que je... Parce que c'est pas du tout écrit en français, donc j'essaie de comprendre. Alors, ah, bah c'est en fait une crème pour les mains. Elle est trop belle au niveau du packaging, regardez-moi ça. Une crème pour les mains, mais qui est anti-âge, qui va vraiment réduire les lignes que vous avez sur les mains. Ça, ça va être glissé dans ma routine du soir parce que c'est vraiment le genre de crème que j'aime beaucoup. Et moi j'en mets tous les soirs avant de dormir, donc ça servira. En plus elle est vraiment belle, elle est classe hein, je trouve. 7, on a un produit, ah bah, un autre produit pour les mains. Tiens, c'est dommage, ils ont mis à la suite. Bah, ils auraient pu alterner, le mettre un peu plus tard dans le calendrier. Mais là, on a l'impression que c'est un Fresh Pink Peach Hand Cream. Donc une crème pour les mains à base de pêche rose. Le packaging est très cutie là, très kawaii. J'aime beaucoup aussi. Alors, est-ce que c'est ouvert? Non. Ça sent bon. Mais alors, le packaging, il est énorme quand même. Là, il y a une dose de crème impressionnante. Il est super gros. Il y a 100 ml à l'intérieur. Donc, c'est cool. Mais je suis un petit peu déçue qu'il y ait deux fois une crème pour les mains juste après, hein, un jour après. Donc, ça, c'est dommage. J'aurais dû le garder pour après. Le 8 est une grande case. Et à l'intérieur, il y a un tout petit produit. Bah, tiens, qu'est-ce que c'est que ce produit-là?
C'est un Real Barrier Extreme Lip Repair. Donc c'est un baume à lèvres qui répare les lèvres en profondeur, vraiment en mode extrême, en mode pour l'hiver, ça va être parfait ça. C'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup. Vous savez que les Coréens sont trop forts pour les produits lèvres aussi. Au niveau de la neige, vous avez sûrement entendu parler du fameux lip mask pour les lèvres, qui est une marque aussi coréenne. Et bah écoutez, celui-ci de la marque, alors attendez, je vous ai pas dit la marque, c'est vrai, MLE, ce qui en tout cas ça fait très pharmacie, mais ça a l'air très efficace. C'est vraiment le genre de produit aussi que j'adore utiliser. D'ailleurs là, j'ai pas mis de rouge à lèvres parce qu'en ce moment j'ai les lèvres un petit peu abîmées, et du coup je mets du baume à lèvres hyper hydratant, donc j'aime beaucoup ça. Dans le numéro 9, une longue case avec un produit de la marque Haru Wonder. Ça je crois qu'on l'avait eu l'année dernière, ou en tout cas on avait un produit de cette marque là, et c'est une brume pour le visage au bambou noir. Et alors quel est son effet? Est-ce que ça a un effet toner? Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment une petite brume pour le... Ouais, je pense que ça doit être un effet un peu toner. Attendez, hop, il y a du scotch. Un petit peu toner, on va le tester. J'aime bien l'odeur. Ouais, je pense que c'est un toner. Il va vraiment rafraîchir la peau, resserrer les pores. Vu l'odeur, j'ai cette impression-là. Ça va vraiment un petit peu... avec une petite odeur un peu d'arbre à thé qui va vraiment resserrer les pores. Très sympa, ça. On arrive au numéro 10. Et là, on a un petit produit make-up. Ça, c'est trop cool. De la marque Peripera. C'est une marque que j'aime beaucoup pour leur blush. Et là, on a un rouge à lèvres, je pense. D'ailleurs, ce serait cool qu'on ait des blushs et tout. Hein. J'espère. Ah, c'est les fameux rouges à lèvres. Ou vous savez que vous pouvez utiliser aussi en blush liquide. Je suis pas extrêmement fan des blushs liquides comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Alors, c'est sous forme de petit pinceau. Je vous fais un petit swatch. Je fais toujours des swatchs à un endroit. Ah, elle est belle la couleur. La couleur est exactement comme le packaging. C'est une sorte de... Oui, fais toujours un swatch à un mauvais endroit. Non, mais c'est Karine, ça. Hop. Et la couleur, c'est vraiment comme le packaging. C'est vraiment ça. Donc, ça a l'air plutôt d'un rouge à lèvres. Parce que pour les joues, je pense pas que ce sera adapté. C'est la teinte 01 Good Brick. Donc, c'est une belle couleur quand même pour l'automne, l'hiver. J'aime beaucoup ce genre de couleur-là. En numéro 11, on a une belle crème avec un packaging... très marrant, regardez ça. Hein. Ah, c'est un produit pour les cheveux déjà. Donc, je m'en doutais un peu avec le packaging. Regardez, quand on soulève, sa crinière grandit. Donc, ça doit être un sérum un peu effet protéine qui va faire pousser les cheveux, je pense. Vu le packaging, je pense que c'est ça. Et c'est à mettre après le shampoing. Je pense que c'est sans rinçage. Mais à vérifier parce que je ne comprends pas tout sur la traduction. Mais je pense que c'est un produit à mettre comme ça sur les cheveux qui permet de faire grandir les cheveux et sans rinçage. Et c'est de la marque Elisa VK. En tout cas, le packaging est très marrant. Regardez, il y a même les petits yeux là. C'est trop marrant, hein. C'est original. Vraiment, leurs packaging sont tellement original. Et le numéro 12 qui est juste en dessous, donc très sympa. Ah, on a un produit make-up là. Et c'est un crayon liner pour en couleur choco brown. Ça, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Un crayon kohl peut-être, je pense, de la marque Rire. R-I-R-E, hein, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est un crayon marron. Et alors, j'en cherchais un. D'ailleurs, à la journée gold, là, je voulais en acheter un, mais c'est bon. J'ai le mien. Une sorte de couleur un peu expresso, comme ça, marron foncé. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien utiliser. D'ailleurs, avec ce genre de make-up, là, c'est ce que j'aurais utilisé, mais j'en avais plus. Donc là, je suis trop contente d'en avoir un nouveau. Ça va me plaire. Et puis, leurs crayons pour les yeux sont vraiment bien aussi. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de négatifs à dire. Et vous allez me dire, la fille, elle l'a reçu gratuitement. Elle dit pas du négatif, mais honnêtement, si ça me plaît pas, je vous le dirai. Mais c'est des produits, alors il y en a parfois que je connais, parfois que je connais pas, donc j'ai hâte de les découvrir forcément. Et les crayons pour les yeux, je sais qu'ils sont très bien. Celui-ci de la marque Rire, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire si je vais adorer ou pas, mais il a l'air bien gras en tout cas au test. Et j'aime beaucoup aussi la marque New York, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos favoris et tout que vous trouvez sur Stylerunner. Et c'est une marque aussi où la pigmentation est top au niveau des crayons et tout ça pour les yeux. On va passer au 13. Oh mais je me suis trompée. J'ai fait le 14 au lieu du 11. Bah du coup on va faire le 11 là parce que je me suis trompée. Le 11, il est là. Et après on passera au 13. Alors, désolé, je suis un peu dans le désordre là. J'ai cafouillé. Donc le 11, c'est un masque calmant pour le visage. Ça, je suis un petit peu ma fan parce qu'on a déjà eu un masque. Et je vous avoue que les masques, je les ai terminés. Je les termine pas tous les 5 jours. Donc bon, c'est bien, hein, c'est un masque, ça sert toujours. Mais j'en ai pas spécialement besoin. Donc c'est un masque calmant. Je pense que quand vous avez la peau un peu qui tiraille, qui picote, ça peut vous aider. Et c'est de la marque Bonajour.
Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas mes produits préférés dans ce genre de calendrier. Et en 13, vu que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, on a une crème pour les yeux. Et ça c'est cool, on n'en a pas eu encore, une crème pour le contour des yeux comme ça de la marque Marine Care. Et j'imagine que comme il y a des dessins un peu d'algues et tout ça, ça doit être à base d'algues. Vous avez, oh là là c'est trop bien, je sais pas si vous voyez, la cuillère à l'intérieur avec le petit embout un peu métallique pour pouvoir mettre votre crème contour des yeux et l'étaler correctement. Et puis après vous avez un petit pot comme ça qui est très beau. Honnêtement ça fait très produit de luxe, style clinique et tout. C'est très très... ça donne envie, en tout cas au niveau du packaging et tout, ça donne envie et je suis sûre que ça doit se rapprocher des marques cliniques mais pour moins cher. Donc 14 à cause de moi, on l'a déjà vu hein. Donc là on va passer au 15 et là on a des paillettes, ouais trop bien. Glittering Eye Stick, donc un crayon stick comme ça, t'as un 14 pour les yeux je pense, ouais, avec des paillettes. Vous voyez, c'est vraiment, vous mettez ça sur votre paupière. Et hop, c'est parti pour un make-up un peu pailleté, ensoleillé. C'est top et c'est de la marque Twinkle Pop. Ça c'est vraiment parfait pour le calendrier de l'Avent, l'été et tout. Je vous le remontre hein, si vous voulez voir de plus près, mais c'est vraiment très très beau. Numéro 16, on a une case toute plate et à l'intérieur, paf, un petit soin visage, All Care Recovery. CK Aid, donc une sorte de patch ou de... Je sais pas si ça se met sur tout le visage. Je pense que c'est un patch à mettre sur les endroits où il y a des cicatrices, où vraiment votre peau elle a besoin d'être réparée. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment par petites zones et c'est pas pour tout le visage. Et à l'intérieur ils disent que c'est très adhésif, que c'est invisible, que c'est waterproof. Donc genre vous pouvez le laisser toute la journée si vous avez vraiment une grosse cicatrice que vous voulez protéger. C'est pas mal ça, c'est intéressant pour l'été surtout. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Numéro 17, on a un produit... version boosting ampoule. Alors qu'est-ce que c'est? À la base d'acide hyaluronique de la marque The Lab Teleb. Teleb. Alors là je connais pas du tout cette marque. Et alors ça a l'air d'être un sorte de booster à l'acide hyaluronique. Ah ouais, ça a l'air pas mal du tout. C'est un produit comme ça à pipette. Une sorte ouais, de booster. Alors à quel moment ça se met? Est-ce que c'est sous forme de sérum? Je ne sais pas. Ça va falloir que je trouve les instructions parce qu'il n'y a rien du tout d'écrit en anglais ni en français. Mais en tout cas, la texture, ouais, ça a l'air vraiment d'être une sorte de gel un peu à l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est très bien. Mais à quel moment l'utiliser, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un produit qui me plaît parce que bah, l'acide hyaluronique, ma peau, elle commence à en avoir besoin. Hein. Je commence à me faire un peu vieille. Et puis, ça fait toujours du bien à la peau. Donc ça, c'est vraiment cool sous forme de cure. Là, ça peut être très bien. Le 18, une grande case. Et à l'intérieur, on a encore un produit soin. Retinol Cream for Wrinkle Care. Donc c'est une crème à base de rétinol pour les peaux abîmé je pense ou fatigué. Et c'est une gamme innovatrice de la marque Bellflower. Donc le packaging est très mignon comme ça, rose et blanc. C'est pas moi j'aime pas avoir des crèmes pour le visage dans les calendriers de l'avant parce que c'est vrai que j'aime bien avoir une routine complète, mais écoutez ma foi, une crème au rétinol, alors je sais que le rétinol faut faire attention, faut l'utiliser avec modération etc, ça je l'ai vérifié avant de l'utiliser, mais en tout cas j'aime beaucoup le packaging, mais je ne connais pas du tout. Là, et bien si d'ailleurs vous connaissez certains produits hein, et que vous avez des produits à me conseiller sur le site Stylomana, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. 19, c'est une grosse case, elle est là, elle est énorme. Regardez ça, est-ce qu'il y a un, plusieurs produits? Il n'y en a qu'un. Ah, mais je l'ai déjà. Et vous savez, quand j'ai déjà, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la vidéo? Vous avez une petite idée, je pense. Donc c'est un... des patchs hydrogel pour les dessous des yeux comme ça, un peu gold, donc aux mêmes couleurs du packaging, mais à base de bave d'escargot. Et ça je les ai déjà, je les aime beaucoup, je les utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que ça donne un coup de feu au visage. Et bah celui-ci hein, je vais le garder précieusement. D'ailleurs il y a plein de produits dans ce calendrier de l'avant que je vais garder pour vous. Le numéro 20, on a un petit produit comme ça. Oula, alors c'est une sorte de crème, d'ailleurs c'est un truc, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Skinful. C'est un concealer, mais non, mais trop fort. Alors là, les teintes... mettre un concealer dans un calendrier de l'avant, c'est risqué parce que bah, y a des teintes pas forcément adaptées à tout le monde, je pense. Je vous montre un peu le packaging. C'est vraiment comme une petite, un petit pot comme ça. Et voici la teinte du concealer. Il a l'air un peu orangé pour moi, mais c'est vrai que pour cacher les zones un peu bleutées de la cerne, ou du cerne, je sais jamais, ça peut être intéressant. Ça me plaît bien. J'ai bien envie de tester, ça va être la première fois que je teste un anti-cerne de cette marque-là. J'ai jamais testé
Et alors pour l'atteindre, je ne sais pas vous dire là, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, c'est trop cool. Alors je sais que ça sera pas adapté à toutes les carnations, mais la couleur me dit que ça va être adapté pour les personnes médium, hein. Si vous êtes très clair, ça sera peut-être pas adapté pour vous, mais très foncé, ça va pas l'être aussi, hein. Mais voilà, comme moi, médium ou un petit peu de un teint un petit peu bronzé, ça peut peut-être marcher. Évidemment, je testerai, je vous dirai, parce que là, comme ça, je ne sais pas. Le 21 est tout en haut et un soin pour le visage qui va évidemment être anti-UV. C'est les pros là-bas, hein, sur Stylvana, les marques coréennes sont très très bien réputées pour tout ce qui est UV. Ça marche du tonnerre, là c'est en plus une gamme vegan. C'est de la marque MAC Prem, même MAC Prem, je pense que ça se dit comme ça. Et c'est un SPF de 50. J'en ai déjà plein. Je vous avoue, en stock là, j'en ai reçu tellement de la marque Stylvana que celui-ci, je pense que je vous le garderai pour vous, pour que vous puissiez le tester l'été prochain. Évidemment, vous pouvez en mettre tout le temps, hein, mais moi je vous avoue qu'en hiver, j'en mets pas spécialement tous les jours, mais dès que les rayons du soleil arrivent, j'en mets. Le numéro 22, grande case plate comme ça, on a un grand produit, le Dark Spot Correcting Glow Serum. Alors, à base de niacinamide, qui va aider à enlever les points noirs, d'accord, c'est ça, et à donner de l'éclat à la peau, à base de squalane aussi à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir des produits de dingue à l'intérieur, hein, ça. Leurs produits sont toujours scellés, donc ça ressemble à ça, hein, un peu à un style médicament, hein. Mais je pense que c'est vraiment un produit sympa qui va vraiment aider, surtout au niveau des pores du nez, qui va, je pense, resserrer les pores, enlever un petit peu vos points noirs et en même temps donner cet effet glow. Ça peut être très intéressant, ça m'intrigue vraiment beaucoup, je sais pas si vous connaissez. Et donc de la marque AZXY. Voilà, on arrive à l'avant-dernier, grosse case. Qu'avons-nous? Un produit à base, encore une fois, d'acide hyaluronique. Oh, celui-là il m'a l'air bien. Ah oui, c'est la marque Innisfree. J'aime beaucoup cette marque, vous la trouvez chez Sephora, sachez-le. Et du coup c'est une crème, encore une fois, avec un SPF de 50 à l'intérieur, UVA, UVB, PA++. Alors je sais pas ce que c'est PA++. Et à l'intérieur vous avez 8 types d'acide hyaluronique. Une crème hydratante et il n'y a pas cet effet blanc sur le visage. Ça, je vais la garder. Elle me donne bien envie. En plus, Innisfree, c'est une marque qui plaît beaucoup. Donc je vais bien tester. Et on finit avec le numéro 24. Le voici, le petit dernier. Et on n'a pas eu beaucoup de make-up, je trouve, tiens. Oh, je suis un peu déçue, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'année dernière, on avait eu des palettes de maquillage, des palettes de teint aussi que j'avais beaucoup aimé. Et là, on a eu que deux rouges à lèvres et un crayon pour les yeux et un crayon glitter. On n'a pas eu de petite palette et tout, c'est dommage. Du coup, en dernier produit pour le 24, j'aurais préféré par exemple avoir une petite palette à ce moment-là, ça m'aurait titillé un petit peu plus. On a encore une fois une crème avec un SPF de 50, PA++++, en riz et de probiotiques. C'est la marque Beauty of Johnson. Alors qu'est-ce que c'est? Alors là, gros point d'interrogation sur cette crème. Relief Sun. Est-ce que c'est une crème pour le soleil? Je ne sais pas. Écoutez, en plus, il n'y a rien écrit en anglais, donc je ne peux pas vous dire. En tout cas, c'est la marque Beauty of Johnson. Je sais que c'est une marque que j'ai déjà pour tout ce qui est soin du visage, tout ce qui est sérum et tout, j'en ai déjà. Mais là, ça a l'air d'être une crème avec un SPF à l'intérieur. Je suis un peu déçue. Voilà, ouais, je finis pas sur une touche super positive. On va donc pouvoir conclure ce calendrier de l'Avent. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vraiment. Je vous invite à mettre le mot rose gold dans votre commentaire. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, que vous avez liké cette vidéo. Évidemment, je vous rajoute les liens des produits et du calendrier dans la barre d'infos, hein. On va pouvoir conclure sur ce calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez passé dans les commentaires. Et vous allez rajouter le petit mot magique, le petit mot bonus, rose gold. Et je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, puisqu'il y a une petite touche rose gold dans ce calendrier et je le trouve vraiment très beau. Il n'est pas aux couleurs de Noël, mais il est très très beau aussi. Moi j'aime beaucoup ce style-là aussi. Et vous n'allez pas oublier, évidemment, au passage, de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour me soutenir. Et puis j'attends vos retours en commentaire avec ce petit mot rose gold. Sachez que je vais vous préparer du coup un lot spécialement Stylvana avec des produits coréens que j'ai reçus dans ce calendrier de l'Avent ou que j'ai déjà dans mes petits stocks que je mets de côté pour vous au fur et à mesure de mes envois, de mes réceptions pendant l'année. Et je vous prépare un gros lot. Sachez que vraiment c'est fait avec le cœur. Ça me fait plaisir de faire des petits concours comme ça, mais qui sont surprises. Parfois j'en organise avec les marques, mais là c'est vraiment...
bah, grâce à Stylvana évidemment, mais ils sont pas du tout, ils veulent pas du tout que je fasse un concours dans cette vidéo, donc c'est vraiment un petit concours surprise. Donc j'espère que ça vous plaira, j'ai hâte de lire vos commentaires. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes comme moi un petit peu déçu du fait qu'il y a pas assez de maquillage à mon goût? J'aurais voulu qu'il y ait une sorte d'équilibre entre les deux, mais voilà, c'est comme ça. L'année dernière, je trouvais qu'il y avait cette touche un petit peu plus make-up qu'il n'y a pas cette année. C'est dommage. Après, il y a des très beaux produits à tester. Il y a des produits pour le visage qui me plaisent énormément. Et il y en a certains que je vais vous offrir avec plaisir. Comme ça, vous pourrez tester. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous rejoins dans les commentaires pour vous répondre à vos petites questions ou bah, vous répondre tout simplement. Et j'ai hâte de lire vos commentaires un peu originaux avec le fameux mot. Hein ? Allez, bisous, bisous.